J'adore toutes les couleurs de l'automne. Pas toi, Yakari? Chut! Écoute! Quoi? J'entends rien? Justement, tu ne trouves pas ça bizarre ce silence? C'est comme s'il n'y avait plus aucun animal dans le bois. Regarde, il y a des traces, là! On dirait que toute la famille des lièvres est partie précipitamment. Là! Eh oh, il y a quelqu'un? Regarde, tous les nids sont vides! Mais qu'est-ce que c'est? Allons voir. Encore? J'ai faim! Quoi? C'est le 15e poisson que je t'apporte! J'en ai assez! Je m'en vais! Reviens ici tout de suite! Viens me chercher, gros poilu! Si tu peux! Tu sais même pas nager! Nananananer! Tu as intérêt à revenir, sinon je me venge sur tes sœurs! Gros poisson, tu as compris? C'est ignoble! Tu n'as pas le droit de maltraiter un être vivant comme ça! Qu'est-ce que tu veux, toi? Je vais t'écraser! Qui a fait ça? Ne touche pas, Yakari! Arc-en-ciel, attention! Ne restons pas par ici, fuyons, Yakari. Oui, mais les autres alors? Vous êtes là. Vous avez vu ce monstre? Yakari, il faut que tu nous aides. Ce gros plein de poils se prend pour le maître de la forêt. Il fait régner la terreur. Et personne n'ose se révolter. Il n'y a que toi qui puisses faire quelque chose. Je te promets d'essayer. Il faut que j'y retourne. Sinon, il va s'en prendre aux autres loutres. S'il te plaît, ne nous abandonne pas! Je ne suis pas de taille face à sa force monstrueuse. Que peut faire un petit chou contre cette montagne de muscles? Mais maintenant, j'ai promis. Grand aigle! Rien n'est jamais désespéré, Yakari. Pourquoi dis-tu ça? Ruse et patience surpassent la force. Et la patience est la meilleure alliée, Yakari. Mais c'est urgent, grand aigle! Les loutres ne peuvent plus attendre! L'hiver est proche, il t'apportera la solution. Aie confiance en toi! L'hiver? Mais oui! J'ai une idée! Demain, j'irai prévenir les loutres! Tu as vu comme il a encore grossi? C'est normal, ce gros plein de soupe est assis toute la journée depuis un mois à engloutir ce que ces pauvres loutres sont obligés de lui apporter. Bah, quel dégoûtant! La neige? Oui, la neige! La neige! On y va! Chut! Venez voir, il se lève! Je n'ai vraiment plus faim. Par contre, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais j'ai terriblement sommeil. Évidemment, c'est parce que tu vas hiberner, espèce de gros goinfre. C'est bon, Yakari. La couche est assez épaisse. Tu es sûr, petit tonnerre? Mais oui, regarde.
Sois prudent. Alors, tu vois, tu ne risques rien. Hein? C'est pour aujourd'hui, Yakari. Quel ronflement. On dirait œil de bouillon. Sauf que œil de bouillon, c'est toute l'année qu'il hiberne. Tu es sûre qu'on ne risque rien, Yakari? Non, rien. Il est profondément endormi. Il ne se réveillera pas avant le printemps. Regarde. Oui. Qu'est-ce qu'il se passera quand le grizzly se réveillera? Faites-moi confiance, les loutres. Ça, c'est la deuxième partie de mon plan. Hey, t'as vu ta tête? Pour être ébouriffé, t'es ébouriffé, hein? Allez, on s'y remet. Il y a encore du travail. Et ce travail, devinez pour qui il va être? Poilu, tu vas bien dormir sur cette île, tu vas voir. J'aimerais bien voir la tête qu'il fera quand il se réveillera. Attends voir. Oui. Bonne nuit, grosse truffe. J'ai bien dormi, moi. Et maintenant... mais j'ai faim, moi. Hé, oh! Hé, les loutres! Vous m'avez entendu? J'ai faim! Mais où sont passées ces feignantes de loutres? J'ai faim! Oh, et... mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où vient toute cette eau? Là aussi. Oh non! Il y a de l'eau partout! Une île! Je suis cerné! Tu entends, Yakari? On dirait que notre terreur s'est réveillée. Et il n'est pas content. Alors laissons le grenier encore un petit peu tout seul, ça lui fera du bien. C'est pas bon. J'en ai assez. Il n'y a rien à dévorer sur cette île. Il faut que je retourne là-bas dans ma forêt où il y a plein de nourriture. Et des gentils êtres serviables et obéissants. Je sais pas nager et il faut que je traverse. Oh, au secours, c'est mouillé. Sortez-moi d'ici immédiatement que je vous écrabouille. Oh, si tu le prends comme ça, alors on s'en va. Mais non, ne partez pas. Ne me laissez pas ici tout seul. Ah, tu fais-moi le dur là, hein, Grizzly. On peut t'aider à sortir de cette île. Mais il faut nous faire une promesse. Tout ce que vous voudrez. Mais je vous en supplie, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Tu dois nous promettre sur l'honneur de ne plus jamais terroriser les habitants de la forêt. Ne plus jamais terroriser personne?
Mais je ne peux pas. Je suis un grizzly. Non. Non, 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 non. D'accord, je promets. Bien, mais comme tu es trop grand et trop lourd pour le canoë, tu vas avoir besoin des conseils de notre ami Loutre pour apprendre à nager. C'est ta seule chance de quitter l'île. Allez, le gros costaud, tu fais comme ça, avec tes pattes avant. Un et deux. Allons maintenant. Oh, oh, j'ai le pied. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi. Oh, 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 oh. Merci, petite Loutre, je te remercie. Je vous invite tous dans ma grotte demain soir pour un festin. Oh, et c'est moi qui régale. Tu es sûr que l'on peut faire confiance à cette grosse brute, Yakari? En tout cas, les animaux de la forêt sont revenus. C'est bon signe. Regardez, les nids sont habités. Allez, dépêchons-nous. Moi aussi, j'ai faim. Tiens, je l'ai pêché moi-même. Bon, si on veut manger quelque chose, je crois que l'on ferait mieux de se dépêcher.